Mes chers compatriotes, en ce 18 juin 2002, j'appelle tous les Français, toutes les Françaises, où qu'ils se trouvent à se rallier à moi et à venir participer, comme le public, à Attention à la marche. J'appelle toutes les Françaises et tous les Français à venir gagner des toupilles, des cadeaux et 10 000 euros. Et pour ouvrir cette matinée, je scanderai « Vive les marches libres !» Elle est venue à pied. Accueillons Micheline. Bonjour. Ça va ? Ça va. Content de vous voir, Micheline. Céline est avec nous. D'ailleurs, c'est tout droit à elle. Accueillons Romuald de la France. Bonjour, Romuald. La France accueille Evelyne, la femme, qui arrive maintenant. Bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche pour une demi-heure de Vive la France! Alors, Micheline, comment vous avez fait pour venir à l'émission? Vous avez téléphoné? Oui, c'est ma collègue qui a téléphoné. Je la remercie d'ailleurs. Oh ben, écoutez, avec plaisir. Dites-moi juste une anecdote dans votre vie qui se soit passée, Micheline. C'est terrible. C'est terrible? Je travaille en milieu hospitalier et oui. Ma chef m'avait rappelé pour venir tout de suite travailler. Il y avait un problème. En urgence, vous travaillez? Ouais, je travaille dans un service d'urgence, mais en ce temps-là, je travaillais en gériatrie. D'accord. Et j'étais tellement pressée, je suis partie sans culotte. Sympa, Micheline, dans la... Sympa, bien. Bonjour, Micheline, tout va bien? Céline, une anecdote, vous, dans la vie C'est récent, c'est en arrivant ici, j'ai eu un accident de voiture. Ah, pas grave? Non, non, c'est le copain de ma cousine qui est là, qui m'a rentré dedans. C'est le copain de votre cousine qui, dans vous... La voiture, hein. Qui vous est rentré? Donc, c'est dans deux voitures en collision? Voilà. D'accord. Bon, vous allez faire marcher les assurances, ça va? Non, moi, j'ai rien, c'est le ministre. Ah bon, alors ça va, alors. Attendez, tant mieux, alors tout baigne. Romu, vous pouvez bien dire que je m'en vais de Romu. Bah, moi, je suis déjà né en mai 68, donc déjà, c'est une anecdote. À mai 68? Et vous avez un petit goût de pavé ou... Oui, je pense. Bien. Je pense. Et puis, j'ai fait mon service militaire à Berlin au moment de la chute du mur. Ah oui, d'accord. Donc vous, je continue dans les pavés, en fait. Vous avez des grandes dates, voilà. Vous, hein, finalement. Absolument. Et vous, Evelyne, alors vous venez d'où, Evelyne, vous? Oh, moi, je viens d'une belle région de France, du sud-ouest. D'où, du sud-ouest? Entre Montauban et Castelsarrasin. Dans le 82. Dans le 82. Castelsarrasin, la patrie de Pierre Perret. Ah oui, tout à fait. Absolument. Et on le revendique. Et oui. Et les enfants, vous avez combien? Ouf. Combien en tout? D'un premier lit, moi j'en ai quatre. D'un premier, mais attendez, vous savez, dans le sud-ouest, d'un deuxième, Evelyne. Et puis j'ai rencontré un ami. Un ami. Avec qui il a deux enfants, dont nous avons six enfants à tous les deux, et un petit-fils, j'ai. Que c'est beau, ça! Et c'est votre ami que nous voyons là. Il a l'air super cool. Il a fallu quand même que j'arrive à 44 ans pour le rencontrer. C'est pas vrai? Ah ouais. Et alors? Et vous en êtes content? Et puis alors, je vais le chercher loin. Hein. Ah ouais, ouais? Où ça? À Belfort. Eh ben, c'est sympa comme tout. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Et puis la bienvenue à tous les potes. Qui arrive? La première question nous dit sur son français combien n'aime pas que l'on lise par-dessus leur épaule. C'est toujours désagréable. Micheline, vous avez répondu sur 100 français. 52, mais j'ai vu que 2 s'afficher. Vous avez que 2. Ah non, c'est bon, 52, tout c'est va bon. Bien. Céline? Je crois que j'ai mis 48. 48% n'aiment pas qu'on lise par-dessus leur épaule. Vous aimez, vous, qu'on lise par-dessus votre épaule? Non. Ben non. Hein. Romuald, vous, vous aimez bien, ça vous dérange pas? Non, ça me dérange énormément. Ça me dérange. Ouais, j'ai mis 70. Evelyne? Oh, alors moi j'ai marqué que 20. Moi ça me dérange pas, hein. Ça vous dérange non. Pas? Du tout. Du tout. Jean-Luc? Du tout. Oui. On pourrait inventer une expression en disant oui. Que ça s'appelle la lecture post-claviculaire. Par exemple. Bien, derrière la clavicule. Réponse, n'aime pas... n'aime pas qu'on lise par-dessus l'épaule.
Eh bien, 92, je dis Monsieur Romuald. Eh oui, bravo Romuald. Désolé pour vous, Evelyne. C'est pas grave. Ben, ça va aller quand même. Mais oui. On va passer à la deuxième question. La deuxième question en musique. Prendre un enfant par la main. Combien de jours faut-il attendre pour que les doigts d'un fœtus humain soient parfaitement dessinés dans le ventre de la maman? Beaucoup plus de femmes aujourd'hui que d'hommes sélectionnés au hasard dans notre public. Céline, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je fais un BTS, assistante de gestion en alternance. BTS, pas d'enfant encore? Non. Non. Vous avez marqué combien de jours? 108, je crois. Un peu plus de 3 mois? Bien. Romuald? Je ne suis pas expert, mais j'ai marqué 39. Vous avez des enfants? Absolument pas. Ça se voit. Evelyne, vous qui en avez 6? Ah ben oui, mais c'est pas facile. Je n'ai pas regardé quand est-ce qu'ils mettaient les... Les moufles? Ouais. Mais moi, j'ai marqué 96. 96? Ouais, ça fait que plus de 3 mois. Eh ben oui, oui. Ça va quand même, Evelyne? Oui, j'espère. Vous n'allez pas me disputer à chaque fois qu'il y a une question, quand même? Non. Bien. Micheline, vous avez des enfants? Oui, je crois que je me suis trompée. D'accord. Je ne me souviens plus. 60 jours, 2 mois, oui, à peu près. Je me suis trompée. Bien, ça vous semble à peu près correct? Non, c'est plus. C'est plus que non. Cela. Ouais. Un petit peu de précision, bien sûr, pour notre culture personnelle, Bariton. Eh bien, chez l'humain, c'est beaucoup plus long. Ah, que? Que chez les animaux. Par exemple, le poulet. 11 jours pour former une patte de poulet et 8 jours pour un pied de cochon. Mais pour les enfants, c'est 138 jours, soit 4 mois et demi. Eh bien, Céline, bravo. Mais le poulet, c'est pas des doigts, c'est des gallinacés. Oui, des gallinacés qui ont des pattes de poulet. Non, mais j'ai transposé. Eh bien, écoutez, désolé, Romuald, on va transposer un pote, mais de l'autre côté de la barricade. J'en suis, ma foi, désolé, mais ainsi va le jeu. Une petite précision avant la question suivante, apparemment, non? Bariton? Bien sûr. Nous allons parler des présidents américains immortalisés sur le mont Rushmore. Dans La mort aux trousses de Alfred Hitchcock, on peut voir ces visages. Les visages de George Washington, Thomas Jefferson et Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt. Ah oui, ils sont insérés dans les montagnes. Hein, sculptés dans la pierre du mont Rushmore. Ah, vous voyez, Evelyne, à peu près ce dont on parle. Vous les voyez, les quatre? Oui. Vous les voyez bien? Oui. Quel est en maître, justement, la hauteur, fameuse hauteur de chaque visage des présidents américains sur ce fameux mont Rushmore? Vous votez. C'est Ça n'a pas marqué. Ça n'a pas marqué, mais ce que je voulais marquer. Qu'est-ce que vous voulez marquer? Je voulais marquer 250, ça a foutu 50. Ça a mis 50. Ça a mis 50, pardon. Ça a mis 250. Eh bien non, on a mis 250. Ah, ben alors ça va. 250 mètres, chaque visage. Ah non, alors je me suis trompée, parce que je n'ai pas compris la question. Alors expliquez-moi. Non, je ne veux pas qu'il y ait d'embrouille. Je ne pensais pas que c'était les mètres du visage. D'accord. Je pensais que c'était tout. Alors, est-ce que 50, ça va? Oui, c'est bon, allez. On le met? Oui. Bon. Merci. Ah, quand même? Bon. Ouais. Donnez-moi la main. Oh. Ça va aller. Moi, je veux que vous soyez bien, Evelyne. Hein? Mais je suis très bien avec vous. Oh. Bon. Oh. Micheline? J'ai mis 153. 153? Oui. Mais je pense que j'ai compté, en fait, toute la... La complète. Voilà. D'accord. Et autrement, vous auriez mis combien? 53. Allez, on met 53. Parce qu'on n'a pas... Bon. Céline, donc, vous, les visages, vous les voyez à... À 48. 48, bien. Bah, écoutez, on met 48. Romu? 41. Ah, le public, il fait... Oh. Et la réponse... Bon, tout le monde est content avec son score, tout va bien? Oui. Tout va bien, parce que non, c'est important. La réponse est de...
La réponse est de... Eh ben 18, c'est notre ami Romuald qui spontanément est le plus proche de la réponse. Je comprends nos candidats, ils se sont dit c'est aux États-Unis, donc c'est forcément astronomique, gigantesque. Eh bien non. Micheline, vous perdez un pote, il vous en reste un pour l'instant. Mais vous inquiétez pas public, il lui en reste un. Et maintenant nous allons passer à la question. Micheline ? Oui. Jean-Luc ? La queue. Attendez. Voyons avec un peu plus d'intensité. Allez-y. Ah. Attends, alors bon, on va la faire en live. Céline, un petit. Romuald, un petit. Ah ! Evelyne ? Oh, je sais pas. Un petit... Voyons avec un peu plus de puissance. Allez-y, encore un peu de... Allez-y, encore un coup, allez. Allez, déjà un dernier. C'est la question coquine, mes amis. Oh, sur 100 Français, combien... ont déjà mordu leur conjoint en faisant l'amour. 3. Céline est morte de rire. Ça va, Céline? Oui. C'est... Ça vous est déjà arrivé? Oui, c'est ce que je voulais marquer en anecdote coquine, mais j'ai pas osé. Donc c'est-à-dire en anecdote coquine? Bah, c'est marrant de mordre. C'est marrant de mordre? Bah. Ah d'accord. Vous, vous mordez souvent? Non, ça m'arrive. Mais vous ça mordez où? Ah non! Oh le pauvre, comment ça doit faire mal! Aïe aïe aïe! Comment il s'appelle votre copain? Il est là, c'est lui? Ouais, Xavier. Xavier! Là c'est Javier! Il n'est pas Javi, Oli. Lui, il vous mord de temps en temps? Non. Ah non, vous n'avez pas ça. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit? Et lui, il n'a pas le droit. Mais bon... Vous avez répondu, Céline? Oui, mais je ne sais plus du tout combien. 68. Bah, je voulais mettre autre chose, mais je me suis dit non, ça va peut-être pas le faire, quoi. Vous aviez une idée plus précise? Un petit peu plus haut, 69. Xavier, il a un boulot, non? Non, il est étudiant. Il est étudiant? Il fait quoi comme étude? STAPS, sport. Sport. Vous, Romuald, ça vous est déjà arrivé de mordre, non? Mordiller plutôt que mordre. Oh! Jean Roussin. Je sais pas, le lobe des oreilles. Bien. Alors là, j'acquiesce. Car je suis un grand adepte des oreilles. Mais bariton, mais où on va là dans cette émission? Et d'ailleurs, 43% des femmes aiment se faire mordiller l'oreille, c'est officiel. Romuald, vous avez répondu? Je sais plus, 38 ou 39. 38 ou 39, vous avez répondu 38. 38. 38, ça... Oui. Moi, moi. Evelyne. Est-ce qu'il y a un non, coup... Non. Vous avez déjà mordu un coup? Non. Arrêtez de me disputer. Mordiller un peu. Mais je sais pas s'ils seraient contents, hein. Je crois que je prendrai la porte. Bon. Evelyne, un truc fou quand même qui vous est arrivé en câlin, un truc de... Ouais. Oup, j'ai posé une question, peut-être que là... Oh lolo, Evelyne, qu'est-ce que vous avez dit? Non, c'est mignon. Ah bon, ben allons-y, c'est mignon. Pour moi, c'est un exploit. J'ai fait l'amour contre un bateau. Comment ça? Attendez, écoutez bien, parce que vous avez fait le... L'amour contre un bateau. Comment ça, contre un bateau? Contre la coque d'un bateau en mer. En mer? Ouais. Et alors? Et papa, il me cherchait.
Et papa, il était sur le... Un jour, oui, oui, non, mais il ne faut pas que je m'étale. Bien, Evelyne, vous avez répondu. Moi, je ne sais plus. Vous savez plus. Non. 15. Ouais. 15 ont déjà mordu. Bien. Micheline, vous, vous l'avez déjà mordu? Bien sûr. J'aime bien Micheline. Bien sûr. Et vous êtes déjà fait mordre aussi? Oui. Oui. Micheline, vous avez répondu? Je crois que c'est 53. 44. 44, oui, voilà. On ne sait plus où on en est dans les chiffres, hein, mais ça va aller. La réponse à cette question est de... Le Toupil est remporté par Romuald. Super, Romuald. Excellent, car grâce à la complicité de TéléZ, il y a un téléspectateur tiré au sort parmi les bulletins de participation et papiers libres reçus qui se nomme... Il se nomme Pascal Durcu à Pavilly, en Seine-Maritime. Allô, Pascal? Oui, allô? Bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc? Ouais, Jean-Luc Reichmann sur TF1. Ah oui, d'accord, oui. Oui. Vous êtes Pascal Durcu? Oui, Durcu. Vous êtes marié vous-même, non? Comment? Vous êtes marié? Oui, je suis marié, oui. D'accord. Votre femme s'appelait comment, son nom de jeune fille, à vous? Jolie. Jolie? Attendez. Parce que ça fait Jolie Durcu. Non. Et elle a gardé son nom de jeune fille? Comment? Avec Durcu, c'est joli ou pas? Vous avez quand même une complète, quand même, hein, vous. Hein, oui. Vous avez des enfants? Oui. Deux. Les deux petits Durcu? Oui, les deux Durcu. Bon, dans cette émission, il faut prendre Durcu, quand même. Oui, absolument, mais... C'est Durcu, c'est pas Durcu. Durcu? Oui. Bah, écoutez, moi, je suis ravi, hein. Oui, je dois vous avouer que, de temps en temps, j'ai des coups de chaud, mais là, j'en ai un beau. Oui. Le petit cadeau, c'est un porte-chéquier. Il est chic, quand même, c'est un porte-chéquier. T'as pas checké, oui. D'accord, c'est pas pour les écus, c'est pour les euros. Ouais. Puis l'autre? Et l'autre? C'est un agenda électronique. Alors, s'il vous plaît, rose ou bleu? Bon, je vais prendre la bleue. La bleue. Ça vous va, la bleue, ami Romu? Absolument. D'accord. Petit cadeau ou beau cadeau? Et on rigole, hein, monsieur Durcu. Oh, mais il a pas le pot, ce petit cadeau. Pour ne point vous emmêler les pinceaux avec les euros, voici le porte-chéquier que vous allez adopter. Oh. Pascal? Oui. Je me permets de vous appeler Pascal. Oui. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vous rentrez dans mon cœur, Pascal. D'accord. Parce que, bon, on s'est amusé, veuillez nous en pardonner, mais vous avez dû entendre des vertes et des bleus. Non, c'est bien. Bah écoutez, si toutefois vous êtes comme Pascal, et que vous avez un nom sympathique... Merci. Vous renvoyez le bulletin? Oui. Que vous trouvez où, ami Pascal? Le bulletin? Oui. Dans TéléZ, et vous renvoyez tout à l'adresse suivante. Pascal, on s'est beaucoup amusé avec vous. Oui, merci. Mais c'était pas à votre insu, c'était parce que c'était la situation. Oui. Pascal, ça va quand même? Oui, ça va, oui. Vous êtes pas fâché? Non. Ah bon, d'accord. Non, tant pis. Hein. Allez, au revoir. Salut Pascal, ça y est, il m'a vu, au revoir. Salut. Eh ben super sympa tout ça. Céline, désolé, vous allez perdre un pote dans l'histoire, mais il vous en restait deux, donc vous en gardez un. Attention, puisqu'il vous reste qu'un pote chacun, une question qui risque d'être fatale pour vous dans combien de pièces différentes? L'assassin peut-il sévir au jeu du Cluedo? Eh oui, il y a des pièces. Il y avait le colonel Moutarde, c'est oui, ça? Oui, mademoiselle Rose, le docteur Olive, devenu plus tard dans une nouvelle version, le révérend Olive. Bien. Alors, Cluedo nous vient de l'anglais clue, C-L-U-E, qui veut dire indice. Merci bien, Romuald, vous avez répondu? Je me suis trompé, donc j'ai répondu 37.
Aïe, 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 Romuald. Evelyne. 5. Ah, Micheline. 8. Céline. 9. Et la réponse est... Et le toupil est emporté par Céline. Excellent, jaune ou orange grâce à notre partenaire Ticado Bocado Céline. Un téléspectateur associé rapidement qui se nomme... Éric Sanchez, habitant Avon en Seine-et-Marne. Soit un carillon Feng Shui, le petit carillon Feng Shui, le carillon d'Anne-Marie. Ou alors il y a une superbe console de jeu dont rêvent tous les enfants, mes amis. La super console de jeu de chez Console de jeu, jaune ou orange? Jaune. Jaune. Céline, petit cadeau, beau cadeau. La réponse est... Ah, oh, c'est le petit. Je montre quand même aux caméras qu'il y a quand même le beau cadeau dans l'autre, qu'il n'y ait pas de confusion possible. Quand même, un carillon Feng Shui dans le mari. Avec les douces sonorités de ce carillon Feng Shui, laissez la douceur de l'Orient entrer dans le logis. Je suis désolé pour Romuald parce qu'avec 37, là, vous étiez très, très loin. Absolument. Merci tout de même d'être venu et puis nous vous offrons pour ce faire une ceinture de massage pour vous. Elle est confortable et en plus elle masse. Voici une confortable ceinture de massage, petite et légère. À la maison comme au bureau, laissez-vous masser partout et en toute discrétion. Merci Romuald. Merci beaucoup Jean-Luc. C'était très sympathique et bon retour à Soissons, c'est ça? Soissons. Bon retour à Soissons, faites attention aux vases. Merci, au revoir. La dernière question va être posée maintenant, mesdames. Il faut malheureusement vous départager puisque... C'est la question en or, vous avez raison Evelyne, et oui, la voici. Alors ça se complique un petit peu, vous l'avez bien compris, il s'agit peut-être de hasard, peut-être de culture, mais telle est la question, lequel des romans de Victor Hugo est aussi un nombre, très rapidement, un nombre. Oh, ça marque les deux. Je sais. Pif. Céline. 30. 30. Evelyne. Au pif, 45. Arrêtez de me disputer. Mais je vous dispute pas parce que je vous adore. Quand on vient de la même région, on ne peut adorer que les siens. Eh bien voilà. Voilà. Eh bien merci infiniment le Sud-Ouest. Micheline. J'hésitais entre 53 et 44. Et vous avez mis quoi? Je pense que c'est 44. Vous avez mis 44, oui. Le roman est le chiffre 93. Et oui, Jean-Luc. Micheline va passer sur la marche suivante. En compagnie également d'Evelyne qui va passer sur la marche suivante. Alors Jean-Luc, oui. Petite explication, 93, parce qu'il nous parle de 1793, la terreur, Robespierre, etc. Bien sûr. Désolé pour Céline qui va repartir malheureusement. Merci de ce bon moment passé ensemble. Quand même, pour vous remercier, on va vous offrir 4 passeports pour Marne-la-Vallée. C'est un cadeau sympathique. Merci à vous. Au revoir. Entrez à 4 dans un monde féerique au cœur de Marne-la-Vallée pour un voyage dans un parc où le bon temps est garanti pour les grands et les petits. Et bienvenue à tous sur la deuxième marche. Alors Micheline, ça fait combien de temps que vous êtes avec votre époux? 16 ans. 16 ans de mariage? 15 ans de mariage et 16 ans qu'on est ensemble, oui. Eh bien, écoutez, plutôt sympathique. Vous formez un très joli couple. Et Evelyne, donc, vous vivez ensemble avec votre compagnon? Oui, depuis 3 ans. Depuis 3 années. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance pour cette deuxième marche sur 100 Français. Combien laisse systématiquement un pourboire? Micheline, c'est vous qui commencez. Sur 100, je dirais 30. 30 laisse systématiquement un pourboire. 30, 32, oui. 30 ou 32. Evelyne, vous connaissez le jeu du plus ou du moins, bien sûr. Moi, je dirais plus. Vous diriez plus, systématiquement. Oui, moi, je le fais, ça. Oui. Ça, il n'y a pas de problème. La réponse est de 41, c'est plus. Bravo, Evelyne, ça monte pour vous.
Micheline, comment s'appelle votre mari? Eddie. Eddie. Et est-ce que il vous prépare le petit déjeuner de temps en temps? À chaque fois que je suis en repos, oui, bien sûr. Oh, comme quoi c'est charmant. Ouais. Une musique pour Eddie, tiens. Tu me prépares un café noir, une nuit blanche et mes tonnes. Sur 100 Français, combien mettent le sucre dans leur tasse avant de mettre le liquide? Combien mettent d'abord le sucre? Sous l'œil de votre compagnon, vous nous dites? Je sais pas, 15. 15, d'accord. C'est le jeu du plus ou du moins, Micheline? Ben, moi, c'est le liquide avant aussi, mais je dirais peut-être un peu plus. Un peu plus. Et la réponse est de 39, c'est un peu plus. Bravo, Micheline, vous égalisez. La question suivante va nous parler de grève. En quelle année eut lieu la toute première grève de... La première greffe de testicules, pardon, excusez-moi. C'est une greffe, pardon, je suis désolé, excusez-moi, Micheline. En quelle année, à votre avis? Je dirais les années 60, peut-être. 1960. Evelyne? Bon, moi, je dirais plus. Vous diriez plus, c'est la réponse. Et 77, c'est plus! Un petit peu de culture, s'il vous plaît, Annie, ça s'est passé... Cela s'est passé, Jean-Luc, aux USA, réalisé par le docteur Stilbert. On va tenter peut-être d'égaliser avec Micheline avec cette question. Raconter l'histoire d'un petit homme. Selon la loi, combien d'heures au maximum dure une journée de travail à Rio de Janeiro pour un âne? Il y a une législation du travail pour l'âne. Alors ça, c'était pas tant. 8 heures. 8 heures par jour. Micheline? Au hasard, un peu plus. Au hasard, un peu plus. La législation du travail pour l'âne à Rio de Janeiro. Tout pile, Evelyne monte à mes côtés sur l'escalier. Elle n'en croit pas ses oreilles. Elle est en tout pile, c'est merveilleux. Alors, le tout pile, vous le savez... Il y a deux choix. Orange, direct orange. Le téléspectateur associé, bien sûr, grâce à notre partenaire, se nomme... Mireille Yilmaz du Blanc-Ménil, dans le 9-3 Seine-Saint-Denis. Alors, orange ou jaune? Vous avez dit orange? Petit cadeau ou beau cadeau? Ah, c'est le petit cadeau. C'est le petit cadeau. Pour ceux et celles qui en ont plein le dos de jouer au dactylo, voici cet étonnant stylo qui fait magnéto. Et on se fait le bisou tous les deux, regardez comme c'est mignon. Et on vous offre un joli appareil photo pour vous. C'est l'accessoire indispensable de votre ordinateur. Appareil photo numérique, webcam, boîte de réception pour votre courrier internet, c'est clair et c'est net. Oui, c'est un appareil photo numérique. Hein. Merci, Jean-Luc. Merci à vous de votre sourire. Et retrouvons bien sûr Evelyne du 82, le Sud-Ouest, est avec nous sur l'escalier aujourd'hui. Saint-Porquier. Saint-Porquier. Ravi bien sûr d'être parmi vous en vous offrant 250 euros. Merci. Que voici. Et nous montons sur la première marche. Allons-y ensemble. Money. Et non pas for nothing. La monnaie, l'euro, vous connaissez? Oui. Vous avez entendu parler de l'euro? Oh oui. Eh bien, la fabrication des billets a commencé en quelle année? 98 ou en 2000? La fabrication des billets en euros? 2000, pour moi, ça fait tôt, donc je dirais 98. 98. Ah, le public a l'air d'être d'accord. La réponse, dans la mesure où ça a peut-être commencé plus tôt... 98, c'est la bonne, ça commence bien, très bien. Super, nous vous offrons bien sûr 500 euros en billets depuis 98, ouais. Vous le saurez maintenant. Et on monte sur la marche suivante pour la question suivante, allons-y. Lors du premier baccalauréat, le tout premier baccalauréat, les candidats passaient combien d'épreuves? Une épreuve,
ou trois épreuves. On peut peut-être donner la date du premier bac ? Oui, eh bien, c'est en 1808, sous le Premier Empire, sous Napoléon Ier. D'accord. Alors, comme il devait être très compliqué à ce moment-là, je dirais trois. Bien. Et elles étaient combien, les épreuves ? Ah, une seule. Et oui, Jean-Luc. Expliquez-nous. Il n'y avait qu'une épreuve de latin, c'était un thème latin, donc un texte français à traduire en latin. Merci de nous en apprendre au quotidien. Nous gardons bien sûr nos 500 euros que nous allons tenter de multiplier par deux sur la marche suivante. Allons-y. L'équipe de France masculine de handball. L'équipe de France fut championne du monde. C'était les Bargeaux. Hein, les Bargeaux. Oui, oui, oui. Deux ou trois fois. Deux ou trois. Au pif. Au pif. Trois. Qu'est-ce qu'il dit, le Jules ? J'aurais dit deux. Il aurait dit... Je le sais pas, alors. La réponse est... Ah oui, et deux. Voilà. Dominique avait raison. Ouais. En 1995 avec les Bargeaux et en 2001 avec les Costauds. Je n'y connais rien à ce sport. Bon, ce n'est pas grave, on garde les 500 euros et on tente bien sûr les 2005. Allons-y sur la dernière marche, ensemble. Avec un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose le programme des 95 chaînes du câble et du satellite ainsi qu'un bulletin pour participer à l'émission, nous ouvrons la porte. En ce 18 juin, je ne dirais pas maréchal, nous voilà, mais Charles de Gaulle... Eh oui, l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin. Eh oui. Il y a un bateau qui s'appelle le Charles de Gaulle. Oui. D'accord. C'est un porte-avions. Oui. Il croise à l'heure actuelle. Il croise. Oui, en Méditerranée. Et là, on va parler du Charles de Gaulle, effectivement. La porte s'ouvre en... Qu'allait en mettre la hauteur totale du porte-avions Charles de Gaulle. Bon Dieu. Il y a des fois, il y a des questions plus faciles. Hein. Eh oui. Vous m'avez servi. Et pour 2500 euros, nous vous proposons, regardez bien, 45 mètres de hauteur. Deuxième possibilité, 55. Troisième, 65. Dernière, 75. La hauteur totale, à sec. Dans un premier temps... Là, je vais donner mon année de naissance. C'est pas bien ce que je fais, mais 55. Ah, 55 mètres, à sec, comme ça. Ouais, pour moi, 55. 55 mètres de hauteur. On demande au public, hein. Ah oui, alors là, oui. Alors, je vous en prie, aidez-moi, parce que j'y connais rien. Un, si vous êtes d'accord. Deux, si vous ne l'êtes pas. On va bien sûr tenter de tout faire pour que Evelyne gagne 2500 euros. Eh bien, 73% du public n'est pas d'accord. Oh. C'est la hauteur complète. Alors, ça fait beaucoup. Du bas de la quille au point le plus haut. Beaucoup de désaccords. Est-ce qu'on change ou est-ce qu'on ne penche pas, Evelyne? Il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Mais c'est une bonne année, 55. Eh oui, mais vous ne me disputez pas, hein. Non. Non. De manière, on va changer. On va changer. Foutu pour foutu, il y en a une de bonne, alors... Bien. 65. 65. 65 mètres de haut, le porte-avions Charles de Gaulle. Quelle première hauteur voulez-vous que nous dévoilions dans un premier temps ? 55, allez. 55. Qu'est-ce que le porte-avions fait 55 mètres de haut, le Charles de Gaulle ? Mmh.
Il a une longueur de 262 mètres. Et comment il peut contenir... Là, j'ai les jambes... Tout à l'heure, non, mais là, j'ai les jambes qui trandolent, comme on dit chez nous. Elles trandolent. Elles trandolent, oui. Elles trandolent, d'accord, très bien. Une deuxième hauteur... 75. 75. Vous retournez quoi, à chaque fois que ça se... Regardez. Quoi? C'est dur, hein? Ouais, mais bon... Et alors, vous insistez, là, vous dites... Allez, on ouvre 75. J'ai pris 10 ans, là, aujourd'hui. Y a-t-il 2500 euros derrière 75 mètres de haut? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On peut quand même applaudir notre ami du Tarn-et-Garonne, s'il vous plaît. Évelyne, on a passé une bonne fin de matinée quand même. On s'est régalé. Je me permets de vous prendre le bras pour descendre parce que nous nous sommes régalés. Venez bien sûr rejoindre votre compagne parce que c'était vraiment un pur moment de bonheur cette fin de matinée. Grâce à vous. Merci, bonjour. Eh bien, et c'est le gros bisou final. Merci à vous deux. Et puis merci à tous de votre fidélité. Merci au public. Thank you.